Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Iron House. Bienvenue pour confronter Nira. Trois crânes la quête quand même. Et on se lance, on s'était arrêté juste avant le petit clic en speed. Et on est parti. Alors on se planque sur les bords de la route, caché par grandes herbes et des arbres encore plus grands. Ok, très bien. Donc si nos informations sont correctes, Nira devrait s'approcher. On a nos scouts qui revient, Zmosis est debout devant nous. Ah, il est temps. Un homme ne devra jamais attendre si longtemps. Alors, on récupère la longue vue d'Alaric et on check la route pour être sûr que c'est bien notre cible. Effectivement, il y a un convoi avec une escorte armée à sa tête, Nira. Et tous nos compagnons, du coup, se mettent sur la route pour faire un blocus. Ok, on est parti pour confronter Nira. On va prendre Zmoisis, bien sûr, il a bien mérité. On était sur un truc à 3 crânes, on va peut-être pas lancer notre nouvelle dedans direct. On va prendre Malvin, on va prendre Aminou pour tester leurs nouveaux équipements. Et mais si, c'est vrai, on avait Akatsukwet comme gardien, j'avais oublié. Alors on va prendre Akatsukwet, allez hop, c'est parti. Excuse-moi Akatsukwet. Alors c'est vrai, c'était censé être une fille. Ouais, non, il y a un petit problème de traduction au moment où j'ai mal traduit, excusez-moi. J'avais retenu que c'était une fille. Alors c'était vrai, j'avais entendu que vous étiez en vie, mais je n'étais pas convaincu. On recherche Thorin. Dis-nous où on peut le trouver et on fera en sorte que ce soit rapide. Oui, c'est bien Shigrins, ouais. Ouais, donc peut-être un petit problème de design. Encore que, on a tout à fait le droit d'être une femme avec une barbe et un nez crochu, hein. Alors, on va directement au fait, hein. Un homme, probablement le marchand, s'approche. Il a l'air tout aussi irrité que confus par le brutal stop. Qu'est-ce que ça signifie? Poussez-vous ou donnerai à mes gardes d'attaquer. On a quelque chose à régler avec elle. Vous pouvez continuer votre chemin pour ce qui nous concerne. Elle vous a trompé alors? Alors le marchand regarde nos compagnons, hein, il est en train de calculer si ça vaut le coup de demander à ses hommes de charger. Et visiblement on est suffisamment fort puisque il nous dit prenez-la, je ne vous arrêterai pas. Ah, espèce de petit enfoiré. Désolé, mais je refuse de pêcher pour de payer pour vos péchés passés. Je ne t'aurais pas embauché si j'avais su que tu m'apporterais ce genre de problème. Allez, emparez-vous d'elle, votre capitaine est relevé de son commandement. Alors, visiblement, les gardes sont pas trop pour obéir. À part une paire de deux qui, un peu à reculons, s'empare de Nira par les deux bras. Et commence à sourire. Et on dit, tu oublies quelque chose. C'est moi qui ai recruté ces soldats pour vous. Où est-ce que tu penses que leur loyauté va réellement? Et Nira, donc elle fait un signe de la tête et les deux gardes qui la retenaient la lâchent parce qu'ils viennent de se faire trancher la gorge par derrière. Le marchand crie d'horreur, mais il ne va pas très loin avant qu'une flèche le traverse. Et maintenant Nira se tourne vers nous. Vous avez ruiné mes plans maintenant. On en voulait faire encore quelques trajets avant de le voler, mais j'imagine que les plans doivent être flexibles. Et bah c'est parti. Vengeance! Oula. C'était quoi ce méga bonus là? Ah c'est parce que non, ils sont bloqués. Oh, ils vont avoir des dommages supplémentaires de foudre.
Et bien sûr, on n'a pas pris de foudre. Ok. Alors ça, c'est le Outlaw Chief, un ritualiste ici. C'est quoi ça? C'est qu'ils sont plus 4 de mouvement. 1600 PV quand même, hein. 1000 PV. Ok. Alors, elle est dans les herbes. Réduit la précision mais augmente l'évasion. Et si on bouge dans des hautes herbes, on n'a pas d'attaque d'opportunité. Intéressant. Donc lui, il va jouer en premier, mais il est très loin. 4 de mouvement, il peut tracer à peu près jusqu'ici. Après, on a Aminou, après, on a la ritualiste, après, on a... Ils vont quand même jouer pas mal avant nous. Hein. Donc je pense qu'on va les laisser venir. On va se faire une petite ligne de front ici. Aminou, on va peut-être l'envoyer se faire... lui, là. Enfin, la ritualiste. 1000 PV, je pense qu'elle est capable. Hein. On va voir si son nouveau bouclier est efficace. Non, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh! Oh, le misclic! Le gros misclic, je vais me téléporter, j'ai mis un coup de pied dans le vent. C'est le gros misclic. Alors. C'est parti, un petit bouclier. Oh là, il a bougé dans ce sens là, lui, tiens. Ça m'arrange pas ça. Bah oui, du coup. Forcément. On peut taunt l'ennemi par contre. Ok, on a un bouclier, lui par contre il va venir nous cogner. Ouh, il a même réussi à perdre notre percer notre bouclier. Bon alors du coup. Alors on a perdu du DPS là, c'est la tristesse. Bon, il nous attire en dehors du truc, pourquoi pas. Aïe. Alors lui il est dans l'eau, donc on va s'occuper de cramer. Elle a résisté, pas de chance. Là on est taunt, hein, donc pas de soucis. Je pourrais aller... Ah, je peux pas venir ici malheureusement. Je pourrais aller ici, je serais cerné. Viens là toi. Ah merde, le coup critique alors que Ketsuko était cerné, ça pique. On va essayer de se débarrasser de lui pour mettre fin le plus vite possible au fait qu'il nous cerne. Parce que ça va quand même piquer assez vite. Ici on cogne. Putain, il réduit notre maximum de vie là. Ah là ça devient un peu plus critique. Alors ici. Putain, c'est chiant parce que ils sont pas en ligne donc on peut pas leur faire de dégâts. Si remarque on pourrait faire ça là. Ouais, du coup on va perdre le channeling ici, c'est dommage mais. On va le refaire dans l'autre sens direct, on a de la radiance comme ça en plus. On va commencer à se déplacer par là. Ah, il l'a repoussé, le petit fumier. Alors là on va se téléporter ici. Mettre une grosse tatane, on va bientôt finir de gérer le ritualiste. Ah, il est en train de faire un truc là. Alors ça fait quoi ça? Chaque tour, nos points de vie diminuent. C'est pas cool. C'est l'heure de commencer à mettre un petit peu de dommages. On
pourrait faire un peu de soin aussi. Hein. J'ai pas moyen d'en tuer un. Si, je peux en tuer un comme ça. Hop là. Ah putain, il rejoue tellement vite. Communion. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a un Soul Fragment. Où elle a pas joué à Minou là? Ah, il joue pas encore, d'accord. Ok, on fait 3 cibles si on fait ça. 141 de dégâts, c'est pas mal, hein. Surtout toutes les chances de toucher, va falloir qu'on commence à lui faire un peu mal quand même à lui. Putain, il a résisté. Pas de bol. On la tue pas, sérieux. Aïe aïe aïe, 8 de PV, on la tue même pas quoi. Bon, va falloir qu'on aille s'occuper de lui maintenant. Par contre, bien sûr, ils sont dans l'eau, donc les flammes, ça peut être trop ça. Un de moins. Ah putain, il est à terre. Ça, c'est pas cool. Si je vais jusqu'ici, je peux faire un petit Fast of Fury, histoire de faire un peu mal. Voilà, tant qu'à faire, on va le relever avec un peu de vie. Je suis dans les hautes herbes, donc je pourrais me tirer. Mais le problème, c'est que ça sert à rien parce que il est quand même bloqué ici, donc de toute façon, il va pas sortir de cette zone. Putain, les dégâts qu'on lui fait, quoi, c'est misérable. Allez, ici on va derrière, et en plus nos amis son truc qui réduit la vie à tous là. Alors là non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, un peu risqué mais... On va commencer à channel aid, là on va tenter un judgment, ici on cogne. Là on a quoi qui pourra aider là? Tag flight non. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc on va sprinter. On va se mettre ici. Il nous met à terre. Augmentons un petit peu ça. Voilà, un bon soin, ça fait toujours plaisir. Là, on lui met une grosse tatane, il a une belle armure ce petit con. On va augmenter la pyromania ici. Là, on va se téléporter derrière. On va utiliser notre dernière grosse attaque. Ici, on va continuer à y aller comme un gros sac. Il nous a repoussé. On pourrait le repousser... Si éventuellement ce qu'il faudra que je fasse c'est que je la bouge et que je le repousse en dehors de l'eau. Pour l'instant on va y aller comme ça. On va aller ici et on va cogner. Putain, il a pris cher le pauvre là. Je le relève. Je peux pas. Bon, tant pis, je cogne. Tech Flight, ça va faire pas mal de dégâts. On se téléporte là. Bon, il te reste un tour. Allez. Oh, la violence. C'était tellement tendu. Smosis qui passe à un doigt de la mort.
2 scrap, bah, c'est pas cher payé, hein. Alors, à voir que nos ennemis sont défaits. On avance jusqu'à Nira. Donc elle est complètement pétée en deux, elle crache du sang. Elle essaye de tenir son bâton, ok, donc ça devait être la ritualiste. Mais elle a plus aucune force. Dis-moi ce que je veux savoir et je mettrai fin à tes souffrances. Elle essaie de parler à travers ses bulles de sang. Thorin sait que vous êtes en vie. Les Black Skull le suivent maintenant. Il viendra pour vous. Elle a un sourire ensanglanté avant de crever comme une merde. Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose? Rien qu'on puisse faire. Thorin sait qu'on est en vie désormais. Et on dirait qu'il est arrivé tout en haut de la hiérarchie des Black Skull. Ça ne me surprend pas trop. C'est un bâtard plutôt costaud, ça c'est sûr. Au moins on a un ennemi de moins maintenant. Ah, et on reçoit un Grand Master Staff, c'est cool, vu que je viens d'en acheter un. Par contre, deux blessures hein, pour la mise Moïsis. Masterwork Staff. Et bah, du coup, on va se trouver quelqu'un d'autre pour l'utiliser. N'est-ce pas? Alors, visiblement, le marchand est en vie, très bien. Il a réussi à s'en tirer. Maudite sorcière! J'imagine que des remerciements sont. C'est l'heure des remerciements. Puisque visiblement, elle m'aurait tué à terme. Et il nous file de la thune. Ok, très bien. C'est quoi ça? Alors. Il nous propose de l'escorter jusqu'à Atiron. on peut le buter. Non, on va dire ok, c'est parti. Ah, un point de renom. On réduit encore un petit peu nos trucs. Il y a quelque chose que je voulais prendre ici. Non mais ça c'est la priorité je pense, payer moins cher le... Alors ça c'est quoi? Alors, ah oui, du coup sa blessure est grave, sinon il va être potentiellement encore plus grièvement blessé dans 30 jours. Il faut 10 jours pour aller ici, on va aller le poser à l'infirmerie là même si ça nous coûte un peu cher. Hop. ...70 et 35 jours. Bah écoute, moi ici, on te laisse là. Ils vont prendre soin de toi. On va regarder vite fait notre petit bâton. Ah ouais, carrément. Bah du coup, on va garder quand même celui-là, mais c'est un peu dommage d'avoir dépensé de l'argent pour ça, mais tant pis. Est-ce qu'on a des quêtes intéressantes? Des bouches à nourrir? Ou quelqu'un qui cherche... Ah, on a trop de contrats, zut. Oui, effectivement. Bon, bah comme ça c'est fait au moins. Alors il veut qu'on l'emmène où d'ailleurs? À Tyrone ici. C'est parti. C'est complètement dans nos cordes. Voilà. Hop. Alors le marchand se tourne vers nous avec un petit sourire alors qu'on passe en dessous les portes de la cité. Il a perdu un peu de couleur, mais il est toujours en vie, et il est très reconnaissant pour ça. Merci, mes amis. Je ferai en sorte que d'autres entendent parler de la qualité de votre... Notre caractère, oui. 300 balles, du sel. Très bien. Plus de réputation. On prend. Alors, du coup... Non, c'est pas ça. C'est ça. Il faudrait qu'on aille soit par là... Soit ici, on a deux quêtes à rendre et le temps passe quand même, hein. 361 jours. Ah ouais.
J'avais pas du tout fait gaffe. Et ça, on a 600 jours pour le faire. 10 membres dans notre roster, donc déjà il va falloir qu'on paye parce qu'on en a que 8. Pour en avoir que 8. Renom de niveau 5. Il faut avoir au moins une personne au level 7 et faire toutes les quêtes. D'accord, donc on n'a pas trop le temps de glander quand même. Hein. Ici, il faut qu'on aille chercher par ici. Et ici, il y a une fête noble, mais ça m'étonnerait qu'elle y soit le temps qu'on arrive. Qu'est-ce qu'on nous propose du coup? Une escorte to Reynald, un convoi à Turend ou le shipment, mais on sait pas où. Ah, on est trop de trucs. Ah, c'est vrai qu'on avait ce truc là, j'avais oublié. Les citizens là. Merde, bon, on va le faire. Allez, c'est parti. Ok, d'accord. On se fait rater de peu par une flèche. Et on se prend une embuscade dans la tronche. Bon, bah c'est parti. Là, ça va être l'occasion d'entraîner un petit peu notre ami. On va prendre toi. On va prendre Poslovic, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? You have been ambushed. Ouh, ils sont nombreux. Ils sont expérimentés. Et ils ont tous joué avant nous en plus. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont loin. J'aime pas trop la petite bourse qu'il a dans sa main, lui, là. Backstabber, qui va nous faire des coups de fumier. Il balance une petite flèche. Bon, par contre, ils sont loin, hein. Ça va être tendu de les choper. Alors, on peut déjà mettre ici un petit truc. On peut aller se planquer là. Ça me paraît pas si mal. Et on met un rapid fire ici. Bim, bim, voilà, un de moins, ça c'est fait. Ici on pourrait aller se téléporter dans le tas, mais notre gardienne, elle, avec ses 3 de mouvement, elle va pas aller très loin. On pourrait aller tanker ici. On peut essayer de gérer, il n'y a pas de mec expérimenté ici. S'il y a un Outlaw Backstabber ici avec 860 PV quand même. Mais la bonne nouvelle c'est qu'ils sont mouillés. Donc si on envoie Mialis foutre un peu de foudre dans le tas. Il y a moyen que ça soit intéressant. Donc on va attendre avec toi ici. On va se mettre par là. Et on va garder. Et donc là, on va ici. Il y a combien de strikes là ? 4, donc je peux complètement tous les rater. Alors que l'arc lightning là, bim, il va bien faire plaisir. Et nous donc on vient ici, on se téléporte et on les fixe. On se débarrasse de lui pour qu'il puisse pas nous flanquer trop facilement. On se prend un petit coup de... c'est trop loin. On va s'occuper d'améliorer nos flèches. Ok, le chien vient jusqu'ici. Pourquoi pas, il nous a fixé. Ouh, le petit puncteur qui fait 100 de dégâts. On est parti. Bim! Alors, lui, on va s'en débarrasser avec un petit conduit, le temps de channeler un peu. Ouh, le petit bouclier là, bien joué. On va se booster un petit peu, histoire de tanker ici. Ok, l'autre a mis un piège, si ça l'amuse. Je pourrais venir ici et balancer ma flèche. On va faire ça. Comme ça, lui, il pourra pas bouger pour aller derrière tanker. Une petite volée, le conduit qui fait toujours plaisir. 96. Bim, on a un piège ici donc on peut plus trop passer malheureusement. Bim, double flèche. Toi, on va mettre un deuxième conduit, ça me paraît pas mal.
aller fixer l'archer. Lui mettre un petit coup de pied, comme ça le conduit devrait le finir. Ah, c'est tellement bon cette amélioration qui fait que quand il en tue un, l'autre... l'autre flèche part sur, sur ses copains. Et là je pense que on est assez proche. Non, on a sprinté donc on peut pas attaquer, je suis bête. On se rapproche, on va lui mettre une petite attaque. On s'est raté, dommage. On va aller derrière pour permettre de flanquer plus facilement. Putain, ça fait tellement mal. Bah du coup on va le coller, comme ça on lui enlève toute son esquive et on le finit avec une petite flèche dans la tête. Voilà l'embuscade, bim. De base accuracy, on va monter ça un peu. Attends, ça monte que de 1% quoi. Alors, est-ce qu'on peut améliorer ça? Deux lightning strings supplémentaires, ça me paraît bien. Et plus de portée pour pouvoir lancer ça sur pas nos potes. J'aime assez l'idée. Alors, toi t'as gagné ton niveau 400 PV, on peut peut-être faire mieux. Augmenter ta vie et ta défense hein, pour l'instant. On va prendre ça et ça. Le soin, c'est quand même un truc assez nécessaire dans ce jeu. C'est géré. Bien joué les gars. Vous avez fait le taf. On continue notre chemin. Allez, quelques outlaws, c'est une petite mission, on va prendre... T'étais pas fatigué, hein. C'est bon, t'es available. Personne n'est well rested. On va prendre Malice pour sécuriser, on va prendre Aminu et on va prendre Chobiti. Non pas Chobiti, Poslovich. On va se prendre deux popos, un petit tool, c'est parti. Alors, il y a un coffre en plein milieu de la pièce. Mialis nous dit c'est un petit peu bizarre quand même. Hein. Elle est cautious donc. Elle nous demande un moment pour inspecter s'il y a des pièges. Alors, on est cautious. Et visiblement, il n'y avait rien. On récupère 50 balles. Comme elle dit, better safe than sorry. On a un fight ici. Oh bah ils sont bien en tas. Par contre ils vont jouer vite. Mais d'un autre côté, ils vont jouer vite mais ils jouent à distance vu la taille de la pièce, c'est pas trop un problème. On va se mettre là et on va charger. Hop là. La marque, 20% de dommages en plus de toutes les cibles. Toi, mets-toi plutôt ici. Comme ça, si tu tues celle-là, c'est bon. Toi, tu viens là. Et puis tu vas faire un petit coup de pied dans la tronche de son pote, là. Comme ça, ils ont plus d'esquive. Et on peut mettre une grosse fessée. Je vais venir là. T'as moyen de balancer une tempête qui touche tous les trois là, c'est parti. Bim, 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 bim. Allez, mange. Ouais, c'était peut-être pas nécessaire d'utiliser un point pour ça, mais on en a tellement avec cette compte. On va pas se priver. Alors. Ouais, ils sont cautious. On va utiliser une pelle pour nettoyer tout ça. Ah, notre premier malus. Les pièges font deux fois les dégâts. Très bien. On a pas de quoi camper, hein. Ça reste un petit donjon. Oh, ils sont bien en tas, eux.
Personne qui attaque en ligne. Si, il y a l'archer pour attaquer en ligne. D'ailleurs, il joue assez vite. On va le mettre devant et on va aller balancer une petite flèche là-dedans. Ça, c'est pas très grave. Mets-toi là, mon cher. On les tue pas, mais on va se mettre un petit... Faut que je fasse gaffe quand même, parce que je me suis mis à portée là. C'était pas très malin de ma part. Boum. Ah, le coup critique. Aïe, ça pique. Ah, par contre, il joue hyper tard, Mialis, là. Tu te traînes un peu, hein. Allez, finis-les-moi. Bon, après j'avoue, tu fais quand même hyper mal, hein, on peut pas dire le contraire. Bon, on va se calmer sur les compétences, une flèche ça suffit. Et le petit coup de pied retourné, voilà, dans la mâchoire. Toujours agréable. Putain, c'est grand. Ah, ça c'est un cul-de-sac, il y a un truc ou pas, non. On va se tenter un petit scout. Et on passe à 15. Et c'est grand quand même, hein. Vous avez vendu une petite quête là, je me disais allez hop bim, on va faire ça vite fait avant la fin de l'épisode. Du coup on a quand même une embauche, ça c'est cool. Parti. Du coup on peut caler un beau tir là. Le chien va jouer avant. Donc ce serait bien qu'on le fixe si on peut. Pas vraiment. On peut pas vraiment. Autant pour moi, désolé Poslovitch, c'est la vie. On va se mettre là, comme ça le chien pourra pas passer. Il est obligé de taper sur l'un de nous. On va se faire un petit soin. Stun, toujours bon à savoir. Bim, viens là toi, comme ça tu le verras dans les yeux. Et la petite désintégration de Mialis, le classique. Alors ouais, on ouvre, on récupère une potion. Ah, très bien. Et c'est le boss, il nous reste 10, donc on peut se permettre de consommer nos trucs. Hop, hop. C'est parti. On fera un petit peu de sous comme ça. Alors, on chope les otages. Mais il y a un groupe de bandits qui se pointe. On dirait qu'on a quelques invités non désirés. Et on les a en bouche en plus. Ça c'est bon ça. Alors, on va se mettre, je pense qu'on va se mettre ici, on va tenter un double tir là. Aminou, tu viens là, toi tu vas t'occuper de là, et après tu iras tanker Pépère. T'es trop loin. Approche. Ok, un mort déjà. Ah dommage. Taper, enfin si je peux me téléporter puis mettre une tatane, ce sera suffisant. Toi on a dit, tu vas ici et puis tu mets un petit coup d'épée parce qu'après tout hein, pourquoi pas. Et ici on va caler un conduit sur lui. Bon, c'était peut-être effectivement un peu lèche comme, comme quête, on va pas se mentir.
Enfin, encore que, hein. Lui, il fait quand même très mal. On va pas non plus trop se reposer sur nos lauriers, comme on dit. On va finir celui-là aussi. Le petit boss, c'est fait. On va pouvoir récupérer les otages. C'était une quête à un crâne, ça fait un petit peu de sous dans le coin. C'est pas si mal. Et bim, voilà. Alors, on a un niveau sur Poslovitch. Ah, il peut redébloquer une compétence. Alors, marque une cible. Ok. Overwatch. Ça, c'est toujours bien, Overwatch. Je sais que je l'ai dit la dernière fois que j'ai regardé les compétences et que j'ai pas pris ça, mais je vais peut-être prendre ça cette fois. Ouais, carrément. Et qu'est-ce qu'on peut prendre de beau? Plus de charge, plus de dégâts. Plus de dégâts. Ouais, passer à 80 de précision, ça me paraît pas mal. Hein. La précision, c'est quand même un vrai problème. Hein. Alors, on récupère la clé et on se barre. Parfait. On vend un petit peu, ça nous fait des sous. Et du coup, on va pouvoir aller rendre la quête, mais on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire, me dire ce que ça vous a plu ou pas. Si ça vous a plu ou pas, pardonnez-moi, excuse-moi, j'étais distrait. Et puis bon, on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.